Vous savez, de nos jours, il y a de très très bons jeux. Et même si parfois j'ai tendance à jouer un peu trop mon Francis Cabrel en disant que le jeu vidéo c'était mieux avant, que la période des 16 bits, donc que la période de la Super Nintendo et de la Mega Drive entre autres, c'était juste l'apogée du jeu vidéo, l'âge d'or du jeu vidéo, je dois bien reconnaître qu'il y a toujours énormément de bons, voire d'excellents jeux qui sortent encore aujourd'hui malgré tout. Ne faisons pas nos vieux cons aigris du jeu vidéo, hein, désireux de rester dans leur époque chérie. Ça fait un peu trop syndrome de Peter Pan tout ça. Style le mec qui veut pas grandir et qui veut rester bloqué dans sa jeunesse ou dans sa nostalgie. Bref, donc pour moi, on a toujours de très bonnes choses qui sortent actuellement, ça c'est indéniable. Malgré le fait qu'on ne connaîtra, pour moi en tout cas, jamais une période aussi marquante, aussi importante et aussi magique que dans les années 90. Et j'en prends pour preuve saisissante cette intro juste légendaire de Link's Awakening avec cette tempête qui s'abat. Puis cet éclair qui va pourfendre le petit bateau de Link. Énorme, juste énorme. Moi je vais vous dire, j'ai beau prendre du recul, j'ai beau m'intéresser aux jeux vidéo actuels, à ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Au fond de moi, et j'ai beau lutter contre ça, j'aurai toujours ce sentiment. J'aurai toujours une partie de moi, aussi infime soit-elle, qui sera là pour me le dire. Pour me rappeler que le jeu vidéo d'antan c'était juste... c'était quelque chose de puissant, et pas au niveau de la technique, et c'est là toute la chose, c'est là la chose la plus importante que je veux vous faire comprendre. À vous les jeunes joueurs avant tout qui connaissaient le jeu vidéo via les Call of Duty, les FIFA, les PES, ou encore les... j'en sais rien moi, mais... enfin bref, vous m'avez compris quoi. Mais aussi à tous les autres. Donc le jeu vidéo pour moi, c'est avant tout de la magie. Une magie qui nous emmène, qui nous transporte, qui nous fait voyager loin, très loin d'ici. Je pense que c'est avant tout une manière de s'évader, enfin de sortir un peu du quotidien et de tous nos problèmes qu'il peut y avoir autour. Voilà, donc là on va partir à la recherche de notre épée échouée sur la plage. Je vous laisse écouter ce son épique. Donc c'est un épisode sorti en 1993 sur la bonne vieille Game Boy. D'ailleurs le premier épisode de la série à voir le jour, c'est d'ailleurs le premier épisode à voir le jour sur une console portable. Et quel épisode bordel. Bref. Alors maintenant je m'adresse à ceux qui se demanderaient pourquoi c'était quelque chose d'aussi fort à cette époque, pourquoi j'ai parfois tendance à dire que c'était mieux avant. Pourquoi? Comment ça pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'à cette époque, tout était à faire, tout était encore à prouver. On a eu l'apparition d'une multitude, d'une flopée de concepts, d'idées de gameplay, de mécaniques de jeu. Attendez, je me tais, juste, écoutez-moi ça. Voilà, donc l'aventure commence, on a récupéré notre épée échouée sur la plage. Et là, c'est le début de, bah, tout simplement d'une des plus belles aventures vidéoludiques qui m'a été donnée de jouer dans ma vie de joueur. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, donc à l'époque tout était à faire, on a eu une, voilà, on a eu l'émergence d'une multitude de concepts. Il n'y avait pas encore de la 3D, on était encore en deux dimensions. Alors qu'est-ce que ça change, vous me direz, qu'on soit en 3D ou en 2D?
Certains d'entre vous auraient envie de me dire « Oui, mais attends, la 3D, c'est plus joli, c'est plus immersif, on se croit plus dans la réalité, on a plus de plaisir à jouer en 3D. Voilà, la 2D, c'est dépassé, c'est poussiéreux, maintenant faut évoluer, faut être à la mode. La 2D, c'est pour les vieux. » À tout cela, j'ai envie de répondre « Vous êtes dans l'erreur. Croyez-moi, vous êtes dans le faux. » Que ce soit en 2D, en 3D, ou même en 1D, ou en 100D, bref, indécent quoi. Peu importe, franchement, peu importe le nombre de dimensions, peu importe la puissance d'un jeu, peu importe la puissance physique d'un jeu, peu importe si certains sont plus courts que d'autres, peu importe si certains sont plus beaux que d'autres, peu importe s'il est bien ou s'il s'est bien ou mal vendu. Au final, la seule et unique chose qui compte, bordel de cul d'autruche, c'est la magie qu'il dégage, la magie qu'il transmet, qu'il vous a transmis en y jouant. Donc là, qu'est-ce qu'il disait? Écoute, regardez-moi ça. Madonna à l'appareil. Non mais franchement, les dialogues quoi. Madonna à l'appareil. No darling, click. Tu as dû faire un faux numéro. Voilà, donc toujours cet humour de Nintendo. Hein. Je sais pas si c'est juste une impression, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, les jeux ne se prenaient vraiment pas au sérieux quoi. Donc Pépé le Ramolo à l'appareil. Voilà, il y a quelques secondes, il y a une grand-mère qui nous disait « Youpi, j'ai la pêche, et toi ?» Voilà, une mamie qui balaye devant chez elle et qui nous dit qu'elle a la pêche. Franchement, est-ce que vous voyez ça, vous, chez vous? Dans votre quotidien, je veux dire, vous n'avez pas comme la vague impression qu'une mamie avec autant d'enthousiasme qui nous parle comme ça, qui nous dit qu'elle a la pêche, ça n'existe pas? Voilà, là, le fameux magasin, donc avec ce vendeur un petit peu sadique, hein, enfin, il a une tête un peu bizarre. Pelle de qualité 200 rubis, c'est pas donné. En effet, c'est pas donné, et justement, il y a une technique dans le jeu qui consiste à faire du vol, en fait. On peut voler les objets, mais il faut un petit peu d'entraînement. En fait, il faut lui passer autour. Ce qui fait que le vendeur va être focalisé sur... En fait, il va se faire duper et on va pouvoir sortir du magasin sans qu'il nous ait vu. Donc là, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc, tu as pu sortir sans payer. Tu n'as pas honte, voyou. Donc voilà, ce jeu va même jusqu'à nous donner des leçons de morale. C'est juste énorme. Limite, il nous apprend la vie. Mais ça, c'est fait exprès. Hein. C'est pas un bug du jeu. Ça a vraiment été prévu pour qu'on puisse voler un objet. Même si c'est pas forcément super évident au début et qu'il faut s'entraîner un peu. Donc là, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a volé un objet au magasin, on va être appelé par le nom de voyou pendant tout le jeu. Alors faut savoir que moi étant gosse, j'ai dû faire le jeu en anglais. Je comprenais que dalle au jeu. Donc j'allais voir un pote qui avait la version française qui habitait à une centaine de mètres de chez moi. Et on sortait nos Game Boy dehors pour jouer. Donc toute une après-midi hein, jusqu'au soir et c'était juste la meilleure époque de mon enfance. Pour moi c'était vraiment ça la vraie vie, c'était de prendre ta Game Boy, voilà, d'aller jouer dehors avec un pote qui t'aide quand tu galères, sous un soleil de plomb. C'était vraiment du putain de bon temps que je passais à cette époque-là. Bref, laissons un peu de côté la nostalgie où elle est. C'est jamais très bon de la ressortir. Quoique de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, quand on va parler un petit peu aux joueurs du jeu, ils vont nous appeler par le nom de voyous. Donc là, c'est un mini-jeu qui va nous permettre de gagner une peluche de Yoshi. D'ailleurs, cette peluche de Yoshi va être le premier objet de troc du jeu. Oui, parce que dans ce jeu, on peut faire... Il y a toute une quête de troc. Donc une suite d'échanges, une suite d'objets à échanger. Donc le Yoshi, je crois qu'il faut le donner à une maman qui se situe dans la maison en haut du village, donc en haut de notre maison de départ. Tu as gagné un Yoshi. On le voit dans tous les jeux, celui-là. Donc voilà, il y a énormément de clins d'œil à l'univers de Mario. Je vais pas vous faire un répertoire de tous les clins d'œil qu'il y a dans ce jeu. Il y en a énormément. Que ce soit les Goombas dans les niveaux, les séquences un peu dans les grottes.
que ce soit une lettre avec Peach dessus, bref. Donc voilà, on peut donner le Yoshi à la maman. Oh merci, tu es un gentil garçon, en échange, je te donne ceci. Donc là, on a reçu le ruban. Donc voilà, le ruban qu'on va devoir donner à une autre personne. Enfin, personne, je vous laisse le plaisir de découvrir ça par vous-même. Voilà, donc là, il y a Marine. Bonjour voyou, Tarquin est parti dans la forêt pour chercher des champignons. Moi, je préfère chanter. Écoute ceci, c'est la balade du poisson rêve. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Rien. Je vous dis, ce jeu, c'est de la magie. Même Gérard Majax ne fait pas mieux. Même Copperfield est une petite tapette à côté. Link's Awakening, c'est un des plus grands magiciens au monde, et ça, j'en suis persuadé. Donc là, on va avoir encore une fois Maître Hibou, qui va nous donner des indications un peu dans tout le jeu. Ça va être un peu notre guide durant toute cette aventure, qui va nous donner des informations, des indices, sur où aller, sur quoi faire. Donc là, on va rentrer dans la forêt mystérieuse. D'ailleurs, je pense que je vais vous laisser un petit peu écouter la musique. Bref, donc pour vous reparler un peu de la série, je tenais à dire que dans les Zelda, on n'a pas vraiment de chronologie directe dans les épisodes. Alors oui, on peut toujours dire que par exemple, Majora's Mask est la suite d'Ocarina of Time, mais sinon tout est basé sur des considérations de la part des fans. Donc j'y reviendrai un peu dans les vidéos spécifiques à chaque Zelda que je vous ferai un jour. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'ordre entre les différents jeux. On peut très bien commencer n'importe quel Zelda en comprenant tout. Enfin, en comprenant toute l'histoire du début à la fin. C'est très accessible, c'est ouvert à tous. Donc, faites-vous plaisir, quoi. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de Minish Cap. D'ailleurs, dans quelques instants, je pense que je vais vous montrer des images du jeu. Minish Cap, qu'on pourrait traduire dans sa version japonaise par le chapeau mystérieux. Bon, je vous le dis direct, c'est un jeu que j'ai adoré, comme la majorité des Zelda d'ailleurs. C'est un Zelda vraiment péchu, il est très coloré, le gameplay est très bon, les musiques sont très bonnes, bref, le jeu est excellent, enfin moi j'ai adoré. Petit bémol, il n'y a pas masse d'objets, et le jeu est plutôt court en ligne droite. Heureusement que les nombreuses quêtes annexes se rallongent bien la durée de vie, notamment grâce aux fragments de Triforce, qu'on va devoir échanger un petit peu à tous les personnages du jeu. Ou alors la quête des figurines par exemple, la quête des figurines qui m'a d'ailleurs énormément fait penser à celle dans Wind Waker, avec les clichés à prendre pour avoir les trophées. Mais sinon pour un jeu sur console portable, donc pour un jeu GBA, il est plus que bon, il est même très très bon celui-là. C'est un petit chef-d'œuvre pour ma part, donc il y a 6 donjons en tout je crois, donc c'est pas le top, mais sinon voilà, c'est joli, c'est fluide. Les couleurs pètent à l'écran, vraiment un épisode que je vous conseille. Donc la particularité de cet opus, c'est que Link va porter assez rapidement dans le jeu un chapeau assez spécial, donc Excello, un chapeau qui parle, qui va donner des conseils à Link. C'est d'ailleurs un petit peu notre conseiller, hein, comme c'était le cas pour le hibou dans Link's Awakening. Bref, donc ce chapeau va nous apporter plein de petites remarques inutiles que j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé que ça apportait pas mal d'humour au jeu. J'ai trouvé vraiment ça plaisant. Et c'est seulement à la toute fin du jeu, je crois, qu'on apprend d'où venait ce chapeau, qui il est et pourquoi il était comme ça. Enfin, doué de paroles. Bref, je vous laisse découvrir ça par vous-même.
Donc dans cet épisode, on va donc se battre contre non pas Ganon ni Ganondorf, mais Vati, une espèce de sorcier maléfique parfois appelé le sorcier du vent, qui a soif de pouvoir et qui veut devenir le plus fort. Donc c'est assez classique pour un méchant de jeu vidéo donc. Alors juste avant de continuer, je voudrais juste répondre à une chose qu'on m'a fait remarquer après ma première partie. Alors pourquoi je n'ai pas mis des images ou des vidéos en rapport avec les jeux dont j'étais en train de parler ? Tout simplement parce que mon but n'est pas de faire un dossier complet, mon objectif n'est pas de faire un truc de professionnel, ça m'intéresse pas. Moi je vous parle de la série comme je le pense, il n'y a pas d'artifice, hein. Ces vidéos c'est plutôt une vue globale, je dirais, un avis général que j'ai de la saga. C'est mon avis avant tout, donc ne venez pas rager si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce serait stupide. Je le rappelle au cas où, c'est subjectif. Donc j'ai pas la prétention de vouloir apprendre des choses aux connaisseurs, mais juste de donner mon avis, et si possible de faire découvrir la série, ou plutôt de donner envie, notamment aux jeunes joueurs, de jouer aux épisodes de Zelda. C'est vraiment ça mon objectif principal. Voilà, moi je vous parle en tant que fan de la série, donc je vous parle normalement en essayant de vous retranscrire au mieux ce que je ressens. Donc mon but n'est pas de vous montrer tous les épisodes, mais surtout de donner un avis, je le rappelle. Donc dans cette vidéo, j'ai capturé trois jeux de la saga Zelda, histoire de diversifier un peu plus que dans la première vidéo. Bref, donc maintenant je vais vous parler un peu des épisodes sortis sur la DS. Donc je vais commencer par Phantom Hourglass. Alors c'est assez spécial ce qui m'est arrivé avec cet épisode, puisque bon déjà je l'ai acheté à sa sortie. J'ai joué, je l'ai fait à 95%. Et puis une fois arrivé vers la fin, donc juste avant le boss final, j'ai décroché. Donc au début je voulais faire toutes les quêtes annexes, me mettre tout à fond pour affronter le boss final comme il se doit. Donc avoir tous les quarts de cœur, hein, tous les... Je sais plus, mais il y a une espèce de système de magie dans le jeu. Donc des espèces de magie à récupérer sur certaines îles du jeu. Une magie qui nous augmente notre puissance, je crois, enfin je veux pas dire de bêtises. Bref, et donc j'ai décroché, j'ai laissé un énorme vide, je l'ai terminé 2 voire 3 ans après y avoir vraiment joué, truc de fou. Alors pourquoi ce vide? Pourquoi ai-je décroché, vous me direz? Tout simplement parce que je n'ai pas été subjugué par ce jeu, j'ai pas été transporté, je l'ai trouvé limite plat, bien en deçà de ce que j'avais l'habitude de trouver dans un Zelda. Pourtant c'est un bon jeu, ça y a aucun doute là-dessus, ça reste du Zelda, une grande aventure, un jeu qui est de loin supérieur à la grande majorité des titres disponibles sur la DS. Mais c'est un jeu loin d'être excellent pour moi, loin d'être culte ni aussi marquant que la grande majorité des autres épisodes. Donc ayant joué à tous les Zelda, celui-ci m'a un peu, m'a un peu laissé sur ma faim. Voilà, donc j'ai joué à tous les Zelda sauf les Zelda CDI. Je suis désolé, mais là je dois avouer que ce Phantom Hourglass est un peu en dessous. Il m'a quand même assez déçu, même si j'ai pris du plaisir à y jouer. Je sais pas, je dois en attendre trop d'un Zelda. Faut dire que j'ai été habitué à bien mieux. Donc dans ce jeu, Link a une skin assez cartoonesque, qui fait énormément penser à Wind Waker d'ailleurs. Dans le jeu, on peut aussi contrôler un bateau sur la mer. On a accès à une grande étendue d'eau, même si pas autant que dans Wind Waker. Donc le jeu est un peu considéré comme une suite à Wind Waker. Même si pour moi, il ne lui arrive évidemment pas à la cheville, même en prenant le fait qu'on soit sur DS. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont foutu du stylet juste pour faire genre on est sur la DS. C'est comme si Nintendo se sentait un peu obligé de montrer qu'il servait à quelque chose, cet écran tactile quand même. Par contre, pour l'utilisation du double écran, j'ai trouvé ça pas mal. On a un écran de jeu d'un côté et la carte, donc la map de l'autre, qui va nous permettre de s'orienter, donc d'aller chercher des trésors, etc. Donc map sur laquelle on peut écrire avec le stylet, je crois, pour se donner quelques informations, pour se remettre en mémoire quelques indices du jeu, quelques signes à effectuer par exemple pour voyager sur la mer, je crois. Bref, et donc pour résumer, j'ai pas ressenti autant d'émotions qu'un Link's Awakening par exemple. J'ai trouvé le jeu assez plat, donc sans âme. Et je dis pas ça par pure méchanceté ou je sais pas quoi. Non, le jeu m'a vraiment déçu. J'en retiens pas grand chose, même si ça reste pas mal.
Donc juste pour finir sur ce jeu-là, j'ai envie de dire, ceux qui n'ont pas aimé Wind Waker, ne me dites pas que vous avez apprécié ce jeu-là, c'est pas trop possible, je pense. Wind Waker est largement plus abouti, bien plus prenant que ce pauvre Phantom Hourglass. Donc je vous renvoie à mon histoire de magie tout à l'heure, et à aucun moment on ressent une quelconque émotion dans ce jeu. Enfin, ceci reste mon avis. Voilà, donc je vais parler un petit peu de Spirit Tracks maintenant. Bon, celui-là, il est sorti environ 2 ans après Phantom Hourglass, dès les premières images, donc dès les premiers trailers, j'ai senti que c'était pas un épisode qui m'attirait. Déjà, rien que le nom ne m'inspirait pas, donc Spirit Tracks, qui se traduirait par l'esprit des pistes. En fait, c'est parce qu'on va contrôler un train dans le jeu, donc sur des rails. C'est un nouveau moyen de transport, après Epona ou même le Lion Rouge, donc le bateau de Wind Waker. Ici, on a un putain de train. Donc, Link se rend à Hyrule. Hyrule et non pas Hyrule. Ah là là. Pauvre Zelda CDI. Et donc, Hyrule, voilà, Link va s'y rendre pour obtenir son diplôme de conducteur par Zelda. Donc, Zelda, c'est la princesse, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore bien compris. C'est pas le petit garçon vert avec son épée, hein, non, c'est bien la princesse. Donc c'est le même style graphique que dans Phantom Hourglass, on a un Link cartoon, malgré les 2 ans qui séparent Phantom Hourglass de Spirit Tracks. Je suis désolé, mais je ne ressens pas de grande différence graphique. Pourtant, en 2 ans, il y a matière à faire évoluer les choses. Le jeu vidéo est un milieu qui évolue quand même assez, qui évolue quand même très vite, je trouve. D'ailleurs, personne ne peut prévoir ce qu'on aura dans le futur du jeu vidéo. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le Carcaradon dans sa vidéo de Retour vers le futur. Au passage, les Retours vers le futur qui font juste partie de mes films préférés. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je digresse là. Grèce, comme le pays, ou même la matière solide, que constituent les lipides tels que les acides gras, les phospholipides, les glycolipides ou encore les glycérides, qui ne se mélangent pas à l'eau et qui n'ont absolument rien à voir avec Zelda, mais comme je commence à partir en cacahuète, tout comme celle que je vais me prendre par mes spectateurs si je n'arrête pas de dire des conneries, eh bien je la ferme. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc j'ai pas été marqué par ces 2 épisodes DS, même si j'ai très très peu joué à Spirit Tracks, je l'avoue. J'ai dû y jouer, allez quoi, une demi-heure chez un pote. Et un peu à la Fnac, et encore... mais que voulez-vous, je n'ai pas accroché, je n'y peux rien. Faut quand même que je pense à me le prendre et à le terminer malgré tout. Ça reste du Zelda malgré tout, donc bon, je me le ferai un jour. Bon, maintenant, je vais parler un peu de Spirit, de Twilight Princess, pardon. Voilà, donc là je vous laisse un petit peu des images de Minish Cap, hein, comme promis. Donc, vous pouvez avoir un petit aperçu de ce qu'est le jeu. Donc voilà, on va attaquer Twilight Princess maintenant. Je vous laisse juste l'introduction. Voilà, donc je vais vous parler un peu de Twilight Princess, donc, qu'on pourrait traduire par la princesse du crépuscule. Donc, je vais pas traîner plus longtemps, hein, je vais être direct avec vous. C'est un jeu qui m'a pas mal déçu. J'en attendais énormément, trop peut-être, je sais pas. Le pire dans tout ça, c'est que le jeu est très bon malgré tout. C'est un des meilleurs jeux d'aventure sur la Wii, si vous voulez mon avis. Voire même un des meilleurs jeux sur Wii tout court.
Voilà, la bande son est très très bonne, les graphismes sont très bons pour la console en question. Le gameplay est quasi parfait, malgré l'utilisation de la Wiimote qui ne m'a pas forcément plu. Moi qui suis pas un grand fan de la Wiimote, je dois avouer que le maniement est bon, que ce soit pour tirer des flèches à l'arc ou pour donner des coups d'épée, donc en secouant la Wiimote, même si je trouve ça un peu beaucoup chiant à la longue, il faut bien le dire. Mais sinon voilà, moi quand j'ai vu le trailer à l'E3, enfin le trailer de l'E3 pardon, parce que j'ai pas été à l'E3 malheureusement. Donc ce trailer avec cette horde de Moblins au loin, donc sur la surface de la Terre, qui se dirige vers nous pour nous attaquer. Donc Link en train de galoper avec Epona, les combats en cheval, la musique épique. J'étais juste comme un fou, j'étais comme un fou en voyant ça. Franchement, un fan de la série qui a joué à tous les épisodes, il est obligé de baver devant ce trailer, il est obligé d'attendre du lourd. Et pour ma part au final, j'ai pas vraiment eu ce que je voulais, donc j'ai pas trouvé cette magie, cette petite étincelle, je l'ai trouvé un peu plat, malheureusement. C'est même pas que je le trouve trop sombre, trop dark ou trop mature, non, c'est pas du tout ça le problème, je pense que c'est pas ça le facteur qui a joué sur mon, j'allais dire, ma déception. Mais c'est tout plein de petites choses qui m'ont dérangé, déjà comme le coup de la Wiimote à secouer pour donner des coups d'épée justement. Ensuite l'OST je l'ai trouvé très bonne mais qui ne m'a pas marqué des masses. Quelques bugs aussi que j'ai trouvé dans le jeu, quelques problèmes de caméra bien chiants. Surtout quand ça se passe dans un donjon, donc avec certains angles de caméra assez restreints j'ai envie de dire, dans des petites pièces par exemple, c'est assez emmerdant. Après il y a eu quoi, la fin qui m'a beaucoup déçu énormément, voilà, le boss final notamment, les personnages qui manquaient clairement de charisme pour moi. Bref, je pourrais en trouver encore mais je vais m'arrêter là parce que j'aime pas descendre un jeu et surtout un Zelda. Donc je vous renvoie à ma future vidéo de présentation que je ferai, ou alors je vous renvoie carrément au jeu tout simplement, faites-le pour avoir votre avis quoi. Voilà, donc j'ai envie de vous laisser écouter un petit peu la musique et on se retrouve juste après. Voilà, donc je vous laisse écouter un petit peu à nouveau le thème du village Cocorico, qui devrait vous dire quelque chose normalement, et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc un thème très sympa qui nous met bien dans l'ambiance. Je vous dis, les musiques de ce jeu sont bonnes, voire très bonnes. C'est juste que j'ai pas vraiment été subjugué. Elles ne m'ont pas vraiment marqué, transporté. Donc je vous laisse la surprise pour tous les autres thèmes du jeu. Je vous en ferai sans doute écouter davantage dans mon test, qui viendra je ne sais pas quand, un jour sûrement. Donc je sais pas, je vous ferai sûrement un top de mes musiques préférées. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant à dire? Bref, donc si je devais choisir entre OOT et TP, franchement j'hésite, j'ai aimé les deux. Même si ce ne sont pas mes préférés de la série, ça c'est sûr. Donc pourquoi je parle de OOT et TP? Parce que je les ai trouvés assez similaires, que ce soit au niveau du rendu graphique ou des mécaniques de jeu. Donc sinon je pense que j'ai un poil préféré Twilight Princess malgré ce que je vous ai dit.
Donc j'ai quand même pris du plaisir, même si j'aurais aimé qu'il m'enchante un peu plus que ça. Ça manque de piment, ça manque un peu d'originalité. Voilà, c'est un jeu assez facile dans l'ensemble. Hein, mais... Ça manque un peu d'originalité, de fantaisie, je sais pas. Donc la petite étincelle qui fait la différence, justement, c'est assez difficile à décrire, donc c'est difficile à exprimer ce que je ressens du jeu. Mais en tout cas, dans Ocarina of Time, il y a beaucoup de passages qui m'ont ennuyé. Donc je vous laisse écouter un petit peu ce thème de la plaine, et on se retrouve juste après. Donc je vous disais, dans Ocarina of Time, il y a énormément de passages qui m'ont ennuyé, même si je les trouve plutôt bons, comme le Temple de l'eau. Le Temple de l'ombre aussi est sympa, avec le fameux boss Bongo Bongo qui prend tout l'écran et qui tape des mains sur le sol pour nous écraser, si je me souviens bien. Vraiment pas mal. Donc c'est difficile de choisir entre les deux. De toute façon, chaque Zelda a ses avantages. Après, c'est à nous de choisir ce qu'on aime le plus, ce qu'on préfère voir, ce qu'on préfère entendre. Et c'est ça qui est énorme avec cette série, c'est que chaque épisode de la série des Zelda est défendable. Chaque jeu est défendable et peut constituer le jeu préféré d'un fan, puisque c'est une série assez diversifiée, vous l'aurez compris. Il y a de quoi plaire à tout le monde. À vous de choisir parmi tout ça, donc, vous aurez forcément un épisode préféré, un épisode qui ressortira un peu plus du lot que les autres. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment définir quel Zelda est le meilleur Zelda. On peut plus ou moins défendre chaque opus. Bon, après, je vous expliquerai évidemment en détail pourquoi je trouve que Zelda 3 est le meilleur. Vous vous en doutez bien. Ou pourquoi j'ai un peu moins aimé Ocarina of Time. Voilà, donc sinon je voudrais juste rectifier une petite erreur que j'ai faite dans ma vidéo précédente. En fait, les Oracle of Seasons et Age, ainsi que Minish Cap, ont été développés par Capcom. Pour tout vous dire, j'avais complètement oublié. Pourtant, j'ai terminé ces trois jeux à 100%. Je les ai torchés dans tous les sens, donc bon, c'est pas comme si je ne savais pas de quoi je parlais. Ensuite, j'ai oublié de parler un petit peu des fameux Zelda sortis sur CDI. Donc la fameuse trilogie de la honte, avec le premier qui est The Wind of Gamelon, avec le roi qui part pour Hyrule, Link qui a tellement faim qu'il mangerait bien un Octorok, ou encore le pêcheur forgeron qui a un nouveau boulot. C'est vraiment gerbant comme truc. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un Zelda malgré tout ce qu'on peut dire. Donc après, il y a eu Faces of Evil, et enfin Zelda's Adventure. Donc je ne peux pas vous en parler sans vous conseiller les vidéos de Hooper sur ces trois jeux. Allez les voir si vous voulez en savoir un peu plus sur cette trilogie merdique, vous y verrez un peu plus clair. Et je voudrais vous conseiller aussi les vidéos de Monsieur Pixo sur Dailymotion, qui a fait un walkthrough sur The Wind of Gamelon. Donc il a fait le jeu en entier d'ailleurs, donc c'est le seul qui a fait un walkthrough du jeu, je crois. Donc c'est toujours intéressant à voir. Et je pense qu'avec le script du jeu plus les commentaires de Monsieur Pixo, il y a de quoi bien se marrer. Donc vous verrez les mecs qui ont écrit les dialogues et surtout ceux qui ont fait les dessins et animations du jeu. Ils étaient un petit peu sous crack, hein, j'ai envie de dire. Ça fait quand même assez flipper tout ça. Bref. Donc j'ai plus grand chose à vous dire, mis à part que si vous ne l'aviez pas encore compris, la série des Zelda, c'est une série incontournable du jeu vidéo, ma préférée d'ailleurs. Tout joueur qui se respecte doit avoir joué au moins à deux ou trois Zelda dans sa vie.
à choisir, je vous conseille de faire le premier avant tout pour avoir un aperçu du tout début de la saga, donc de la base. Je pense que vous ne pourrez que être surpris par la suite. Voilà, donc je pense ne pas faire de troisième partie pour une présentation de la série. Je trouve que, pour un avis très global des opus de la série, je trouve que c'est suffisant. Je pense que j'ai parlé à peu près de l'essentiel. Même si pour cette série, j'aurais toujours des trucs à dire. Après, si vous me harcelez pour avoir une dernière partie, c'est éventuellement possible que j'en fasse une, mais franchement, je ne pense pas. Donc je vous le répète, jouez aux Zelda, achetez-les, kiffez votre maman, et puis je vous souhaite tout simplement bon jeu. Sur ce, je vous dis goodbye, and see you next time. Hehehehe